Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de Télécréole, dans cette nouvelle émission Au cœur des femmes. Et nous avons une superbe invitée à vous présenter aujourd'hui. Mais juste avant, un petit mot parce que c'était la Saint-Valentin. Oui, bonsoir oui. Karine. Bonsoir. Quel plaisir de te retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé, jeune fille. Nous allons passer un super moment avec une invitée exceptionnelle. C'est clair. On va parler du bassin. En plus, en lien, pour faire des rimes, bassin Saint-Valentin. Et c'est ce que je disais. En fait, ce que je disais, c'est commencer par vous aimer vous-même et vous serez davantage aimé et vous en donnerez aussi davantage. C'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Bonsoir Margot. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Mmh. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mmh. Elle est toute timide. Elle est toute douce. Elle sait pas comment on va la manger aujourd'hui. Ah, c'est mon premier plateau télé. Hein. C'est vrai. Félicitations. Félicitations Margot. Et merci de nous donner l'honneur de ce. De cette première, puisque je pense que tu es une grande dame et que tu vas devenir encore plus grande après tout ce que tu es en train de réaliser en ce moment. Donc nous, on est heureux. Tu vois, c'est un peu comme Mavic Bright. On l'a eu sur le plateau un an avant qu'elle fasse une ascension. Et voilà, bon, on est persuadé qu'on va te demander un autographe juste avant. Ah ben. Alors, dis-nous tout, Margot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Alors, aujourd'hui, c'est une bonne question. Beaucoup aujourd'hui, de choses. C'est une question auquel j'ai. C'est pas encore très fluide pour moi, pour répondre, on va dire professionnellement. Donc, je suis kiné, mais du coup, je travaillais, j'avais mon propre cabinet à Plateau Caillou et je l'ai vendu en fait en décembre. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle, je dis. Yes. Et entrepreneur, du coup. Oui, félicitations. Ouais. Indépendante. Ouais, indépendante. Bon, après, kiné, en kiné, j'étais indépendante pareil. Aussi. Oui, ouais. D'accord. Et du coup, j'ai quitté donc mon boulot de kiné pour accompagner, je travaille toujours avec des femmes, oui. Mais plus dans de l'accompagnement, en fait. Accompagnement, transmission de connaissances et d'outils pour se reconnecter à son féminin, à soi, à son bassin. D'accord, alors ne nous dis pas tout de suite. T'as des questions, je sens une question là. Oui, clairement. Oui, bah oui, vas-y, Elodie. Mais alors... Moi, je pose des questions qui vont directement... Oui, à l'essentiel. Alors, oui, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce choix de quitter, ton métier de kiné et qui pour... est plutôt confortable. Ouais, bien sûr. Mmh. Bah, et oui, pour justement faire de l'accompagnement. Mmh. Et de l'accompagnement quoi, précisément ? L'accompagnement des femmes. Alors, bon, je pense que ça a été un cheminement qui a été, qui s'est fait sur plusieurs années. Oui. On peut peut-être commencer au départ. On recommence au départ. Oui. Parce que c'est vraiment un processus. Donc, à la base, j'ai fait des études de kiné. Pendant mes études de kiné, j'ai été passionnée par la spécialité, quand on a abordé en fait l'urogynécologie. Donc, ça va être tous les troubles, toutes les pathologies qui se trouvent chez les femmes, que les femmes peuvent avoir. Au niveau de leur bassin, en fait, tout ce qui va Tiens, être... Donne-moi ça. Allez. Comme ça, je vais montrer en même temps. Hein. Elle parle et moi, je montre. Au niveau de leur bassin, je vais pas montrer le mien. Voilà. Je vous montre ça. Voilà, donc là, il y a des organes, il y a des muscles, il y a plein de choses, des os, des fascias. Et du coup, voilà, il y a pas mal de pathologies. Il peut y avoir des douleurs, des incontinences urinaires, plein de petites choses. Donc moi, j'étais vraiment... passionnée parce qu'en fait c'est grâce à mes études de kiné que je dis que je me suis que j'ai commencé à me connaître anatomiquement parlant comment fonctionnait en fait la femme cette sphère en fait du bassin. Oui. Et après j'ai eu aussi beaucoup de colère parce que je me suis dit il y a tellement de tabous en fait, j'ai senti vraiment beaucoup de tabous, de honte, etc. Oui. Et du coup, quand j'étais diplômée, j'ai commencé à être kiné libérale, quoi. Je travaillais avec différentes personnes, différents patients. Et petit à petit, je me suis vraiment spécialisée dans l'urogynécologie. Et donc, j'ai ouvert un cabinet que j'ai eu pendant 2 ans où je travaillais qu'avec des femmes. Donc, je dis dans la rééducation féminine. Oui. Où j'accompagnais les femmes atteintes de cancer du sein. D'accord. Et qui avaient des troubles dans la sphère du bassin. Essentiellement des femmes. Je faisais que atteintes. Ça. Pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Ouais. Mais c'est quoi le rapport alors ? Le rapport pourquoi maintenant j'accompagne ? Non, le rapport en fait des femmes atteintes du cancer du sein
Ah, et le bassin ? Et le bassin ? Non, il n'y a pas de rapport. D'accord. Il n'y a pas vraiment de rapport, c'est juste que j'ai décidé de vraiment me spécialiser dans la rééducation féminine, toutes les pathologies qui touchaient la femme, en fait. Ok, ouais, très bien. À la base, c'est vraiment mon domaine, c'est le bassin, c'est tout ce qui va être rééducation du périnée, etc. Et après, j'ai découvert par une kiné assez connue en France et reconnue, qui m'a formée là-dessus, et j'ai décidé aussi d'accompagner les femmes dans cette sphère-là. Alors, pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce que moi, je connais mon périnée depuis que j'ai accouché, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, on m'a dit, Karine, tu vas accoucher, tout va descendre, il faut que tout remonte. Voilà, ou tout reste en place. Alors, pourquoi c'est important, aujourd'hui, de connaître ça ? Bah parce que déjà, je me dis, voilà, il y a beaucoup de femmes qui arrivent au cabinet, en fait, elles arrivaient chez moi au cabinet, elles connaissaient rien de leur périnée, c'est quand elles avaient accouché qu'elles avaient des notions, je sais pas déjà, le bassin, pour moi, j'appelle ça la marmite au trésor, il y a plein de choses qui se passent, il y a la grossesse, il y a l'accouchement, il y a le cycle menstruel, la sexualité, le plaisir, il y a les règles, il y a tout ce qui est continence, je crois, etc. Qu'il y en a plein qui ont mal aux oreilles là. Il y en a plein qui tiquent un petit peu là, parce qu'on n'en parle pas du tout. Mais c'est ça, mais je me dis, c'est incroyable d'arriver à sa première grossesse, à accoucher, pour avoir notion et se rendre compte un peu de la place que prend le bassin et le périnée, etc., dans notre corps et dans notre vie. En Alors fait. Explique un petit coup, c'est où ? Donc là, c'est le bassin. Ouais. Voilà. Et le périnée, ce sont tous les muscles ? Ouais, alors là, c'est les organes à l'intérieur. Et le périnée, ça va être les muscles. Donc, il n'y a pas qu'un muscle, on dit le périnée, mais c'est différentes fibres musculaires. Ça ? Voilà, tout ce qui va être... Et qui vont s'accrocher, en fait. Ouais, c'est ça, sur les os. Tout ce qui est rouge, alors ? Tout ce qui va être rouge. Ok, ouais. Très bien. Voilà. Et à l'intérieur, c'est les organes. Donc, il va y avoir la vessie. Voilà. Et il y a un organe qui est mal situé. Mais vas-y, rigole, c'est moi qui aura la honte demain. Vas-y. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Non, c'est que j'avais montré aussi, parce qu'en fait... Mais tu peux le montrer, ce sera beaucoup plus efficace. En fait, ça, c'est ce que vraiment je montre à mes patientes à chaque fois qu'elles viennent au cabinet. Vas-y, monte. Okay. Voilà. C'est vraiment ce que c'est ma maquette, en fait, que j'avais au cabinet. Donc les femmes, quand elles viennent pour la rééducation du périnée après accouchement ou pas, c'est vraiment, déjà, je passe une à deux séances à leur enseigner, à leur apprendre tout ça, en fait, comment est composé notre corps. Et bien en fait, sûr. Je disais, au niveau des organes, il y a celui-là qui est mal positionné. Donc après, voilà, il va y avoir la vessie, l'utérus, le rectum. Et voilà, tout ce qu'il va y avoir en rouge, tout ce qui est blanc, c'est les os. C'est la structure osseuse, la structure dure, on peut dire, oui. De protection. Et tout ce qui va être rouge, ça va être tout ce qui va être les tissus, les muscles, les tissus, etc. Et pourquoi c'est important de connaître son périnée et de le travailler, de le muscler ? Alors, moi, je ne pense pas qu'il faille le travailler ni le muscler. Alors, en tout cas, ça fait partie de moi, mes croyances, mes convictions. Il n'y a pas besoin de travailler ni de muscler les muscles. C'est ce qu'on nous dit après l'accouchement. Oui, mais non. Ah oui, alors après l'accouchement. Oui. Mais en tout cas, il ne faut pas s'amuser à vouloir faire des contractions si on n'en a pas besoin. Après l'accouchement, c'est qu'en fait, quand il y a le passage du bébé, en fait, quand le bébé va passer, en fait, par le vagin, ça va étirer, en fait, les muscles du périnée. D'accord. Mais il faut, quand on fait sa rééducation, il faut faire un bilan pour voir s'il y a vraiment besoin, en fait, de le remuscler. Parce que souvent, moi, je me suis rendu compte en consultation qu'il n'y a pas tout le temps besoin de remuscler. Il y a souvent tellement juste, on est tellement déconnecté de notre corps, on ne sait tellement pas comment il fonctionne, qu'en fait, les muscles du périnée sont un peu comme endormis, en fait. Okay. Et quand on vient s'intéresser à cette zone et la ressentir, la comprendre, etc., déjà, les muscles... on commence à avoir conscience et déjà ça commence à se mettre en mouvement et voilà. D'accord. Moi je suis pas pour remuscler à part s'il y a besoin. C'est cet avis là, c'est cette nouvelle perception du périnée et de ses organes là qui fait que tu as décidé de vendre ton cabinet et d'abandonner un peu le côté médical qui aujourd'hui te sert, mais tu l'utilises différemment aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai décidé vraiment d'arrêter la kiné parce que je n'avais plus envie d'être vraiment dans le soin. J'avais beaucoup accompagné, j'avais beaucoup soigné. Et là, j'avais plus envie et besoin d'être dans la posture d'accompagner et pas de soigner, d'être dans le soin, plutôt d'accompagner, de proposer des outils pour qu'après les femmes se découvrent elles-mêmes et s'explorent elles-mêmes, en fait. Et moi, je transmets juste. Et aussi parce qu'en fait, je me rendais compte que ma conviction, c'est que si je transmets ces outils même aux jeunes filles, aux femmes, il y aura moins de femmes dans les cabinets de kiné, par exemple. Enfin, je veux dire, si on reprend possession et connaissance et conscience de son corps de femme et surtout de cette zone plus tôt, plus jeune, donc je pense qu'il faut même cibler, moi, mon objectif, c'est après de cibler les jeunes filles, il y aura moins de pathologies, en fait. D'accord. Dans cette zone. Pour toi, le fait de mieux se connaître...
peut permet d'anticiper les maladies. Ouais, complètement. D'accord. Ça, moi, c'est au niveau médical. Hein. Après, il y a d'autres bienfaits aussi. D'accord. En fait, j'entends justement cette volonté de ta part d'accompagner. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu entends par accompagner ? Et puis, tu parles souvent d'outils. Et voilà, je suis curieuse, en fait. J'ai envie de savoir. Qu'à concret. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? D'outils, de Vas-y, méthodes. Vas-y, mets-toi sur la table et l'outil, on va te montrer. Non, mais alors déjà, qu'est-ce que je fais par exemple dans des ateliers ou dans les programmes là en ligne que je vais mettre en place, c'est déjà se connaître, apprendre à se connaître. Donc je vais donner des notions anatomiques. Voilà, tout ce que là on a vu assez rapidement, même très rapidement. Ouais. Je vais vraiment l'expliquer. Les structures osseuses, les muscles, les organes, à quoi ils servent. Je vais aussi un peu faire tomber certaines croyances, des tabous. Il y a plein de petites choses par rapport à la miction, enfin des choses comme ça qu'on ne sait pas, qui en fait sont délétères, qui abîment le périnée. Donc voilà, j'ai donné pas Alors, mal d'infos. Alors la miction, ça veut dire quoi ? La miction, c'est faire, faire pipi. Bah merci. Voilà, voilà, faut dire faire pipi. Oui, oui, ça c'est déformation. Délétère, ça veut dire quoi ? Délétère, c'est que c'est mauvais pour le périnée. Voilà, alors faire pipi, c'est mauvais pour le périnée. Non. Non. Non, 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 non. Non, par rapport à la miction, par exemple, c'est que j'ai beaucoup de femmes qui venaient au cabinet et qui me disent « Oui, ben moi, on m'a appris donc à contracter quand je vais uriner, à retenir, me retenir oui. pendant que je fais pipi. » Donc, je coupe la miction, ouais. une envie de faire pipi. Et puis, voilà, pour que ça muscle mon périnée. Donc ça, j'explique et je réexplique que c'est délétère, c'est mauvais pour les muscles. Enfin, D'accord. c'est mauvais pour, en fait, toute... C'est carrément une déprogrammation qu'il faut faire. Oui. Mais, oui. mais clairement, parce que j'ai eu deux enfants et c'est... et elle apprend ça à ses enfants. Presque. Non, quand même. Ah oui Ouais. Et ensuite, comme outil Voilà, donc ça va être plus transmettre d'abord des connaissances D'accord. pour se connaître. Et après, en outils, ça va être des exercices. Alors, après, il y a plein d'outils différents. Oui. J'en peux en citer. Ouais, non, après, ça va être des exercices pour vraiment, après, prendre conscience. Donc, on se connaît, on a des connaissances sur qu'est-ce que c'est cette zone du bassin, où elle se situe. Et ensuite, on va aller vraiment le mettre en conscience. Donc, on va aller toucher voilà, les os du bassin. On va aller toucher ça, le pubis, où est le sacrum, le coccyx. Et ça va être le ressentir. Là, on va le passer dans le corps, quoi. On va le ressentir sur soi. D'accord. Voilà, donc ça va être plein d'exercices à préparer pour les muscles du périnée. Et comment on sait que ça marche ? Comment ? Comment on sait que ça marche ? Parce que là, tu abandonnes un peu ce côté médical, concret, cartésien, pour aller vers quelque chose vraiment de beaucoup plus dans l'émotion, la sensibilité, le féminin sacré, plein de choses non palpables. Comment tu sais qu'il y a du résultat ? C'est une bonne question. En kiné, je le savais parce que je pouvais le vérifier. J'avais des techniques pour le vérifier, j'avais le toucher, etc. Là, parce que je l'ai expérimenté sur moi, en fait. Yes. Ouais, voilà. D'accord. Parce qu'en fait, tous les exercices, donc la kiné m'a beaucoup apporté, c'est vraiment une énorme base. Mais qu'en fait, après, il y a d'autres. Parce que moi, c'est comme ça. Enfin, je pense que chaque femme sait après. Quand on a les connaissances et tout, c'est à chaque femme son chemin. Je peux pas, moi, dire, en fait, si elle le fait bien ou pas. Mais il y a eu des bienfaits sur Ah toi. Ouais, bien sûr. Ah Comme oui, quoi. Oui, sûrement, ouais. À quel bienfait ? Par exemple. Alors, je pense que une exploration du bassin comme ça, c'est toute sa vie. Oui. Alors, il y a quoi comme bon, déjà moi d'avoir mis des connaissances sur cette zone, ça a été une révélation, même beaucoup de colère, je me dis mais comment ça se fait qu'on n'apprend pas tout ça quoi ? Parce que pour moi vraiment c'est la base, c'est vraiment le socle de la femme, c'est là où il y a toute notre puissance, toute notre créativité, il y a la création, il y a l'enfantement, etc. Donc moi, c'est vraiment... On devrait mettre ce genre de cours à l'école. Oui, voilà. Ouais. Dès le plus jeune âge, effectivement. Bah, comme justement, le cycle menstruel. Ma question, c'est quelle est ton intention, en fait ? Alors, j'ai changé. Mes objectifs changent un petit peu. Ouais. Mais là, vraiment, ce à quoi j'aspire, mais ça prend un peu plus longtemps, c'est vraiment d'accompagner plus les jeunes filles. J'ai envie d'accompagner les femmes, c'est ce que je fais en ce moment, ça va être mon activité principale. Mais là, petit à petit, je vais créer des projets pour pouvoir aller dans les écoles, les collèges. J'aimerais écrire un livre aussi pour les jeunes filles. Génial. Voilà, pour toute cette transmission de connaissances. Ouais, parce que je pense qu'il faut commencer plus tôt. Bien sûr. Bah, dis donc, est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut te rencontrer, comment tu partages ça, comment tu accompagnes, tu interviens dans, enfin vas-y, c'est non. le moment vraiment de là. Ouais, de dire. Où est-ce qu'on peut te trouver quoi. Ok, alors là je suis en pleine transition, donc oui. je suis en train de tout créer. Alors du coup là je suis carrément sur le web. Donc j'ai un site internet qui Vas-y. S'appelle tout est à mon nom, margotfrison.com. Les réseaux sociaux Facebook, Instagram, c'est margotfrison.com. Donc là il y a
il y a tout ce que je propose. Je répète, margotfrison.com, et ce sera mis sur notre page Au cœur des femmes, et également sur la rediffusion que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube. margotfrison.com, je redis, voilà. Oui. Voilà, c'est là où je publierai un peu tout ce que je vais faire. Et donc là, ce que j'ai créé, là, qui sort dans 10 jours, c'est un sommet en ligne virtuel. Donc c'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé les 4-5 derniers mois. D'accord. Un sommet en ligne virtuel. Enfin, un sommet, c'est en ligne ou virtuel, pardon. Donc un sommet virtuel. D'accord. Donc ça se passe sur le web, sur Internet. Très bien. Voilà. Donc en fait, alors on va bien expliquer ce que c'est un sommet virtuel, c'est-à-dire que depuis le confinement, ça se fait de plus en plus puisque les rassemblements sont interdits. Donc là, tu as réuni plusieurs personnes qui vont faire part. Explique-moi ton événement, allez, oui. Vas-y. Plus facile. Yes. Alors du coup, l'événement déjà, il se nomme Artiste de ta vie, vivre tes rêves pour créer le monde de demain. Et du coup, j'ai rassemblé 27 femmes. Il y a 26 conférences, mais il y a 27 conférencières. Je dis du monde entier, alors francophone, hein, mais donc il va y avoir le Canada, il y a la Suisse, Belgique, il y a la France, Guadeloupe et la Réunion. Magnifique. Et du coup, voilà, j'ai interviewé 26 femmes. Donc sur ce thème, il y a trois axes. C'est le... On le voit à la Ah yes, cool. Ah ben voilà. Oui, il y a des femmes de la Réunion que je vois là. Ouais, il y a Juliane Landrieux, il y a Esther Lobé-Bédjedi, il y a Laetitia Bizarre. Non, mais il y en a plein qui sont déjà passés chez nous en plus, oui. Ouais, il y a Charlotte Boiron. Magnifique. Il y a ma maman aussi. D'accord. Ouais. Voilà. Superbe. Et voilà, donc elles abordent toutes des thèmes autour, donc artiste de ta vie, créer sa vie. Il y a des artistes aussi. C'est important pour moi. Et voilà, elles abordent tous des thèmes autour du cœur, du corps, l'entrepreneuriat au féminin. Voilà. Donc c'est un sommet gratuit. Ouais, c'est un sommet qui se passe sur 8 jours. D'accord. Ouais, il est gratuit. Toutes les 24 heures, il y a 3 à 4 vidéos qui sortent. Voilà, pendant 24 heures, on peut les visualiser, ça sur 8 jours. En tout, il y a 26 conférences. Bon, moi, je suis intéressée, je t'écris un mail et ensuite, je fais d'un groupe. Non, il suffit d'aller... il suffit d'aller sur... En bas, là, il y a le site internet. C'est sommet-artistedetavie.com. Voilà, on le voit. Voilà, il faut aller donc sur le lien du sommet. Oui. Magnifique image. Ouais. Et cliquez. Donc, du coup, voilà, il faut aller sur le site du sommet. Il y aura la page d'accueil, inscription. Et voilà. Et donc là, il y a un petit formulaire d'inscription. Il faut donner son nom, son prénom, son adresse mail. Et là, on reçoit toutes les informations via mail. Voilà. D'accord. Et tout se fait sur l'ordinateur. D'accord. Donc, quand une fois inscrite, j'aurai accès à des vidéos. Une fois inscrite, voilà, tu reçois un mail. Et tu as le programme du sommet avec tout ce qui va se passer jour par jour, toutes les conférencières qui passent avec les titres. Donc, ce n'est pas un rendez-vous précis. On a 24 heures pour regarder les vidéos. Donc, ça, c'est chouette. Ouais. On peut vraiment... Généralement, moi, je dis, quand vous avez le programme, quand vous voyez le programme, lundi, il y a telle personne, mardi, etc., c'est de prendre un agenda. Et s'il y a vraiment des personnes, des femmes qu'on veut vraiment suivre, c'est se noter. Parce que des fois, en 24 heures, alors il y en a qui ont le temps de visualiser les vidéos. Elles durent entre 40 minutes et une heure. Mmh. Donc, il y en a qui ont le temps de tout faire, il y en a d'autres moins, donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, mais c'est excellent. C'est génial. C'est excellent. Je me vois déjà dedans, vraiment en train de visualiser, et toi ? Oui, c'est magnifique. En plus, moi, avec l'image qu'elle a. C'est magnifique. Mis, ouais, vraiment, la fiche, elle est belle. Hein. Couleur, vraiment, c'est très inspirant. Super. Ouais. Ouais, ça, c'était. Je l'ai fait avec des amis. Ouais, elles m'ont si j'ai bien compris, c'est gratuit, c'est ça ? Oui. Ouais. C'est merveilleux, c'est une excellente action, c'est super pour toutes les femmes justement qui veulent devenir artistes de leur vie. C'est ça. C'est bien trop bien. En tout cas, moi je te remercie parce que tu es un bijou de femme. On a sur le plateau, on a une invitée vraiment qui est remplie de bienveillance. Elle était kiné, elle utilise aujourd'hui son savoir-faire et elle a rajouté justement ses connaissances et tout ça, elle le met au service de nos femmes réunionnaises, de, j'espère, des adolescentes. J'espère. Voilà, c'est ce qu'elle veut. Elle est en train d'écrire un livre. Elle a monté également un événement qui réunit 27 conférencières partout dans le monde, mais des francophones. Donc, vous y avez accès aussi. Et donc, on a donné tous les éléments sur l'affiche et sur notre chaîne YouTube. Est-ce que tu as un message fort, un message clé
à dire, à développer maintenant, là, si tu avais... tu sais que là, tu es dans le salon de tout le monde, donc à ces jeunes femmes. Bah, enfin, là, ce qui me vient le message fort, c'est vraiment, quand je dis suivre ses rêves, c'est vraiment, on en parlait, c'est suivre ses rêves d'enfant, quoi. C'est que là, moi, je m'autorise, alors, bon, évidemment, enfant, ça aurait pas été les mêmes, mais de m'autoriser à faire ce que je fais, d'avoir quitté la kiné, de créer ce sommet, de mettre au cœur de ma profession ma créativité, mon côté artistique et tout, tout ça, c'est des rêves d'enfant, en fait. Il y a plein de choses que je voulais faire, que j'arrive à mettre en place aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense qu'il faut pas abandonner. Moi, je me suis perdue à un moment entre mon adolescence et voilà, il y a 4-5 ans, et que voilà, moi je dis, faut toujours garder, quand je suis avec les jeunes filles, etc., je leur dis toujours, mais garder toute cette, ce qu'on peut dire, pas simplicité, innocence, mais ouais, cette spontanéité, ouais. Je vois totalement ce que tu veux dire. comment ça se fait que, tu as quel âge au fait? 32. Voilà, 32 ans, avec après une vie plutôt confortable, où on fait du bien, on est dans la santé, on a envie de se reconvertir pour quelque chose de beaucoup plus utile et avoir un peu plus de sens. Voilà. Ouais, plus vivant, en fait. Plus vivant. En fait, à mon sens, ben, souvent dans les cas, souvent on a voulu faire plaisir à maman, papa, et faire des études en fonction de leur volonté, ou voilà, j'appelle ça des loyautés familiales. Et en fait, et à un moment donné de sa vie, il y a comme quelque chose qui nous rattrape. Je dis non, en fait, non, c'est pas ça que je veux. Après, on peut appeler aussi, il y a tellement de termes aujourd'hui, mission de vie, ou voilà, ce qu'on veut vraiment accomplir, sa réalisation sur cette terre, et bien au-delà. Et donc, à un moment donné, bah, on a envie vraiment d'être soi, parce que c'est aussi être en accord avec soi et vraiment de faire, bah, tu me confirmeras ou pas, Margot, bah, de faire vraiment ce qui nous fasse vibrer, mais vraiment vibrer au plus profond, ce qu'on a envie d'apporter. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, exactement. C'est quoi le déclic? Ça a été quoi? C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'en fait, le déclic, c'est l'exploration. C'est que moi, je pense d'avoir accompagné les femmes et moi-même d'avoir cheminé sur l'exploration de mon bassin et d'avoir repris ma puissance, j'aime pas trop dire ça, mais vraiment cet ancrage du bassin, connaître mon cycle menstruel, enfin vraiment, c'est confiance aussi. Et virer tous ces tabous, toutes ces hontes, tous ces non-dits, moi, ça m'a permis de reprendre ma puissance, ma créativité et décider de, ok, bon, en fait, j'en fais quoi de ma vie? Je fais quoi? J'ai envie de faire quelque chose de vivant, quoi, de vibrant. Quelque part, en fait, mieux te connaître, ça te permet aujourd'hui de mieux être. Exactement, ouais. C'est ça. Parce qu'elle est vraiment dans l'être, parce qu'aujourd'hui, elle fait vraiment ce qu'elle envie, ce que, voilà, quoi. Donc c'est juste magnifique et c'est magnifique et moi, j'encourage vraiment toutes les femmes à suivre ce parcours, à suivre Margot, donc margotfrison.com, sur Instagram, sur Facebook, sur... Le site internet, pareil. Le site internet, vraiment. Et si vous viennent arriver, nous parle pas de l'exploration bassin vital, bassin cormoran ou bassin bakoué. Là, nous est sur un sujet super, super intéressant et très, très vibrant parce que Idiazote comprend vraiment notre intérieur, comprend vraiment ce qui se passe dans notre rein, dans notre bassin, pour comprendre un petit peu notre envie, notre choix et notre décision dans la vie de tous les jours. Et ce que nous ressent, c'est très important. En tous les cas, vous, mesdames, connaissez-vous, aimez-vous, c'est vraiment, je pense, la parole de la... Acceptez-vous. Acceptez-vous, la conclusion. Et moi, je ne peux que vous inviter à découvrir ce sommet pour devenir l'artiste de vos vies. Voilà, mesdames, vous retrouvez l'affiche et toutes les informations sur notre page YouTube et sur notre page Facebook également. Voilà. Donc, je te remercie encore, merci Margot, beaucoup, vraiment, pour cette superbe découverte. Et je fais une spéciale dédicace à l'association Défi de Femmes, dans laquelle tu es, fais partie, et qui nous suit, et qui est avec nous, qui nous soutient. Voilà, on est très solidaires. Et si aujourd'hui, vous avez envie d'entreprendre au féminin, à La Réunion et dans la zone... Océan Indien, n'hésitez pas, Défi de Femmes sur Facebook. Voilà, gros bisous à toutes. Retrouvez-nous très prochainement, dès samedi prochain, avec un portrait de folie. Vous allez voir, elle en jette. Voilà, je te dis pas plus, Elodie. Ok, voilà. Ok, j'ai hâte. Allez, des gros bisous à toutes et merci encore, merci Margot. Beaucoup. Bye. Merci, merci Margot. Merci Karine.